Donc le bâtiment ira de là. À là-bas. Tu veux encore nous faire un beau projet là? Mais ça n'est pas que mon projet. Tiens, cadeau. Je voulais te faire la surprise. T'es sérieux là? Tu me proposes d'être ton associé? Bah, ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble. Tu l'as bien mérité. En même temps, t'es pas obligé d'accepter. Bah si, si. Merci François, mais... Je sais pas quoi dire. Hein. Dis rien. Oh, tu me fais peiner avec ta pipe électrique, là. Tiens, ça te changera. Ceci n'est pas une pipe. C'est ce qui m'a permis d'arrêter de fumer. Donc excuse-moi, mais je passerai sur le cigare. Merci. Hein. Comme tu veux. Le sol est argileux. Il va falloir geler pour pouvoir faire des fondations bien profondes et stables. Bon, ce sera pas la peine. Ça coûterait des millions supplémentaires pour pas grand chose. Attends, t'es sérieux là? Si les fondations sont pas stables, tout peut se fissurer et le bâtiment peut se péter la gueule d'un moment à un autre. Mais ça va tenir, t'inquiète pas. Mais attends. Mais arrête! Je sais que ça peut tenir. Mais comment tu peux dire ça? La tour d'Oriane, elle tient toujours. Attends, t'es en train de me dire que la tour d'Oriane n'a pas de fondation stable? Surtout pas assez de budget, oui. Et si j'avais pas économisé par-ci par-là, elle serait pas là. Et personne t'a rien dit? Quand tu fais économiser quelques millions à des promoteurs, ils deviennent aveugles. Mais t'es un grand malade, toi. T'as pensé à ceux qui habitent dedans? Non, ça, tu t'en fous. C'est déjà un miracle qu'elle ait tenu autant de temps. François, faut qu'on aille voir la commission de sécurité, là. On parle de danger de mort. C'est la mort d'Oriane, oui. Tu veux quoi? Qu'on rase mon plus beau bâtiment? Qu'on rase des années de boulot? Mais on parle que d'un bâtiment, là, François. Qu'un bâtiment? Tu sais ce que c'est pour moi, ce bâtiment? 30 ans que j'ai attendu ce projet, 30 ans. T'as quel âge, toi, déjà? J'ai pas vu mon gosse grandir, je passais tout mon temps au bureau. Avec mes doutes, mes espoirs. J'ai pris tous les risques. Je l'ai fait tout seul, ce bâtiment, tout seul. Je l'ai fait surgir, c'est mon enfant. Arrête! On dirait que tu parles de quelqu'un, là. Si on apprend ce que j'ai fait, c'est la fin de ma carrière. Bon d'accord, j'ai fait une connerie. Et ce bâtiment, c'était mon rêve. Je l'ai bâti et tu veux le détruire? Moi. Ma carrière, mon immeuble, mon rêve. Et les autres alors? Mise en danger de la vie d'autrui, ça dit quelque chose? Et toi, tu me parles de tôle. Mise en danger de la vie d'autrui, c'est la tôle. Et pour un bout de temps. Il n'y a pas que moi, il y a Aline. Pourquoi tu me parles de ta femme, Massimo? Parce qu'elle a que moi. Elle n'a pas de revenus. S'il y a procès, on me prend ma boîte. On me prend tous mes biens. Elle se retrouverait à la rue avec ma gosse. Elle supporterait pas. Tu sais bien qu'elle est fragile. Oui, je sais. Fais pas ça. Ne me balance pas. J'ai fait une connerie, je sais. Je regrette. Mais ça tuerait ma famille. Et puis l'immeuble tient le coup. Et donc pour protéger ta famille, toi, t'es prêt à mettre en danger une centaine de personnes? Évidemment, toi, tu n'as pas de famille, toi. Je sais pas ce que je ressens.
Mais qu'est-ce que tu vas ressentir là quand t'auras une centaine de personnes sur la conscience? Quand ta famille sera quand même dans la rue, mais qui devront supporter en plus le regard des autres? Hein? Tu fais que retarder l'échéance. Je vais prévenir les services. Et toi? Quoi, moi? Toi aussi, t'as participé à la construction? J'ai fait que les façades. T'étais responsable du contrôle. Je peux le prouver. Toi aussi, t'es responsable. Toi aussi, c'est la tôle, le procès. Plus de carrière. Tu me menaces, là? Non, je te rappelle les faits, c'est tout. Bah, tu sais quoi? Comme tu me l'as bien rappelé, moi, j'ai pas de famille. J'ai pas grand-chose à perdre. Et si ça peut sauver une centaine de personnes, contrairement à toi, je vais prendre mes responsabilités. S'il y a procès, je perds tout! Je sous-signais François Delarue, architecte au cabinet Delarue, déclare avoir commis lors de la construction du bâtiment Oriane 2011 une malfaçon dont je suis le seul responsable. Les fondations instables de l'immeuble mettent en péril la vie de ses occupants. Je recommande l'évacuation immédiate du bâtiment.